Il me semble que j'avais coupé le micro. Putain, la meuf qui est fatiguée, quoi. Du coup, j'étais en train de dire salut Johnlette et salut Zedlike, merci à toi pour ton follow. Mais j'ai pas fait de conneries là, non, c'est bon. Et pour une fois que je bosse pas et que je peux venir te faire un stream, yeah! Du coup, je voulais savoir si le bruit du ventilo vous gênait, si oui, je le coupe, sinon c'est bon pour moi. Donc j'attends juste après ça et si tout est bon, si tout est bon, et ben on balance. Hein. On fait les fous. On va signer un manque de slip. Il serait temps. Perso, je l'entends pas. Bon, bah c'est bon alors. Ça devrait être bon. Alors, juste me faire un. Attends, mais je vais juste me faire un récap des touches. Ramper, courir c'était L1, cross carité, inventaire, caliner alors que c'était ici pour faire la lumière. L'inventaire j'en ai besoin. Ouais. Interagir R1, pivoter, 3. Salut Dreamy Lunar Fox! Se pencher à gauche, se pencher à droite, c'est vrai que j'ai jamais utilisé ça. Et c'est tout! Bah parfait! Pointeur de réticule, le champ visuel. J'avais pas vu qu'on pouvait élargir le champ visuel. Bon, bah on est bon. Donc, si je ne m'abuse, on reprend dans la bibliothèque où il y a une espèce de Slenderman femme, une espèce de nounou pas très contente qui nous poursuit, qui nous cherche. Voilà. Oui, très bien. Enfin, vacances, j'ai eu qu'une semaine pour l'instant, hein. Vivement vendredi. Donc on se reprend ça et normalement, j'imagine qu'on devrait le finir parce qu'on avait quand même pas mal avancé sur Monde de Sleep à la dernière et première session. Dans la bibliothèque, ouais, c'est ça. C'est parti. Alors j'espère que ça sauvegarde au bon moment, quand même. Je ne sais plus si c'était de la sauvegarde manuelle ou pas. Les différents réseaux. Salut Ars. Toc. C'est parti. Plante pas déjà quand même. Non, c'est bon. Attendez, je me suis fait banane là. J'ai l'étrange sentiment de m'être fait banane quelque part. Salut dans le sécueil. Ah non, j'avais pas vu Ars. Salut Nem. Oh non. C'est une blague! C'est une blague! Oh non, non, je dois recommencer! Mon dieu, je dois recommencer! Non, non, je dois recommencer tout le moment avec ce putain de Slender truc dégueulasse, alors qu'il me restait plus qu'une partie! Those floaty things, they look like memories. Maybe the next one is. Behind those roots. Non. Ah non, c'est. Si, si, je dois recommencer. Oh le fist. Oh j'ai mal. J'ai mal à l'intérieur.
Ah mon dieu. Au moins tu connais déjà le lieu. Plus ou moins, parce que je m'en rappelle pas spécialement et la position du truc est aléatoire, il fait tellement flipper. Falloir que je retrouve la pièce du jeu et que je la remette dedans et tout, mais quelle merde! C'est tellement pas juste. Oh. C'est sale de faire un truc pareil. C'est sale. Comment on court déjà? Je sais plus, comme ça. Ah, c'est sale, franchement. C'est la banane du siècle. J'avais galéré ma race en plus. Oh mon dieu. Je merde. Salut Sly. Salut Chopper. Et ouais, la famille est réunie. Alors, attendez, j'enlève ma montre parce qu'elle est en train de me défoncer le poignet. Mais c'est ouf que la sauvegarde se soit pas mise à jour. Enfin, je comprends pas. Putain, il me faut recommencer ce moment atroce. Quoi, c'est tellement la banane. Putain, je suis tombée dans l'eau. Il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Putain, non, mais ça va être... Ah, ça va tellement être le flip tout le temps. Oh putain. Bon alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, si vous n'êtes pas habitué, je vous invite à baisser le volume de vos écouteurs ou de vos haut-parleurs, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, baissez le volume. Non mais le pire c'est qu'il y a déjà un live de disponible de ce jeu là et que tous ces moments on les avait fait et que j'ai déjà bien assez gueulé mais apparemment on veut pas me laisser tranquille. Salut Argol, je vais peut-être pas rester alors. Ah, s'il te plaît quoi. Salut Kiki. Et oui, ça fait longtemps. Attendez, Twitter qui m'agresse. Il n'y a rien de pire que de regueuler sur des passages où on a déjà gueulé. Parce que, en plus de gueuler et de flipper, on se sent con. Parce qu'on sait déjà que ça arrive. Il me semble qu'il se passe rien. Pas exactement je sais plus exactement où arrivent les choses et en plus je sais pas exactement qu'est-ce qui est aléatoire ou non. Qu'est-ce qu'il y a comme ça? Bah moi aussi je suis en train de refaire. Ah putain, je l'avais pas vu lui. Je sais plus qu'est-ce qui apparaît. Ou voilà. Je sais même pas si j'arrive à finir mes phrases sans déconner. Ah, parfait. Je sais plus s'il y a quelque chose ici. Joli pyjama carreau. Eh ouais, t'as vu les petites étoiles, les petites lunettes et tout. C'est pour jurer avec. Avec l'ambiance. Je crois pas que j'avais un pyjama comme ça. J'ai un doute.
plus, je viens de regarder Sinister. Franchement, c'est pas cool. J'avais prévu de prévenir et au final je l'ai pas fait. Je sais pas s'il peut venir ou pas. Dans le doute, je vais tracer. Putain mais. Pardon, je sens qu'il y a la panique qui monte. Salut, c'est le Kiss. Merci beaucoup et puis vite. Oh putain! C'est bon. Et puis écoute, je sais pas. Quelle heure il est? Putain, il est derrière moi. Montre. Bon après-midi à toi. Et Juliette Reyes, je ne connais point. J'ai mis marqué pyjama à carreaux. Ah! Putain! Let's not dwell here for too long. Là, mon col. Mon col. Eh putain, c'est ici. Faut que j'arrête de courir avec le bébé. C'est vrai qu'au fur et à mesure, au bout d'un moment, quand tu cours, il se casse la gueule. Hein. Ouais, tu peux baisser le son là, Dremi, parce que c'est à partir de là que c'est pas cool en fait. J'ai trop décidé de te faire peur aujourd'hui, mais Sinister, c'est la faute à mon père. Il m'a dit qu'il voulait pas s'endormir devant le film, alors j'ai mis Sinister. Je vois que dalle en plus, genre j'ai mon Velux qui tape au-dessus. Serval, comment vas-tu mon ami? Ça va. Un banshee. Ah oh, putain, j'avais oublié. Moi je me suis dit que tu twitchais. C'est faux. Ah, ah non, il était déjà là, putain. Ah, ah le con. Ah, salut Lil Black Cat. Va sous le lit. Ah, il y a un trou. Je crois qu'il faut que j'aille dedans. Ouais. Ok. Putain, je me souviens plus. Je me souviens juste. Putain, mais il y a des sauvegardes depuis tout à l'heure. Alors pourquoi j'ai pas récupéré ma sauvegarde quand j'ai commencé? Je vous dis que c'est la banane du siècle, ils ont voulu. Ah, ils ont voulu que je refasse ce moment atroce en fait. Du coup, je suis en train de me demander si la première fois je l'avais fait un peu easy en fait. Enfin, easy. J'avais pas croisé le monstre avant la fin. Et
Et je me demande si c'était normal ou pas. Non, j'attends pas ce soir parce que tout simplement, comme je me lève à 5h30, et bien ce soir je dormirai. Il y a des chances que j'aille au restaurant en plus pour le repas. Donc je me suis dit que j'allais faire ça avant. C'était ça ou j'annulais. Putain, j'ai besoin de ça aussi. Mais après, ma feuille verte. Pas top pour jouer ce style de jeu de le faire en journée. Blablabla. Arrêtez de faire les rabat-joie. On dirait pas, mais je suis quasiment dans la pénombre. Moi ça me suffit. Si, je vais me coucher. Je vais me coucher à... Il est quelle heure? Putain, il est déjà 18h07. Je vais me coucher à 22h. Voilà, je vais faire la meuf bien. Je vais faire la nana responsable. Toujours cool un stream de Caro à plus. Voilà. Faut que j'aille dans la baraque voir. Putain, il est là-bas. Donc j'allais dans la baraque au fond à gauche. Moi, rigole. Ah, 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 ah. Rentre. Ok, la première run, ça avait pas fait ça. Donc à mon avis, ça m'a rajouté de la pression, ça. Faut que j'aille dans la baraque au fond à gauche pour récupérer la pièce verte, il me semble. Pièce verte qui me permettra d'aller ouvrir la porte. Il veut un câlin. Il veut que dalle de câlin. Quand il fait un câlin, tu t'en remets pas. Je suis en train de me demander si j'avais eu extrêmement beaucoup de chance à la première run ou pas. Parce qu'en plus, à la première run, j'étais persuadée que je ne pouvais pas mourir. Et étant persuadée que je ne pouvais pas mourir, je me baladais vraiment... Oh, attends, putain! Vous voulez la jouer comme ça, y a pas de souci. Ok, donc faut que je fasse gaffe quand je suis dans les hautes herbes. Faut que je fasse gaffe qu'il n'y ait pas de l'eau en fait. Parce que si je tombe dans l'eau, je suis morte. Parce que moi je laisse ça plus bon. Bonne soirée, écoute, bonne soirée à toi aussi. Merci d'être passé. Ah ouais, non, les enfants et moi, ça fait 30 000. Du coup, je me dis que j'ai eu vraiment de la chance, en fait, la première fois. Donc là, faut pas que je passe dans l'herbe, parce que ça va dans l'eau. Putain, je croyais que c'était le chemin. Dégage ça vite! Putain, y'a quoi que tu comprends pas dans vite? Ah, il arrive! Oh là là, ça sauvegarde et tout! Comment j'ai pu me faire banane aussi fort? J'aime pas ça. Ah putain, c'est mon ombre qui m'a fait peur, mon gueule va. Il arrive, il est là-bas. À partir de là que c'est pas drôle. Remarque, ça n'était pas déjà, vous me direz. Il me semble qu'il faut que j'aille tout droit. Il arrive. Je sais pas si quand il y a la musique, c'est qu'il arrive. T'es pas rassuré, c'est à cause du creepy guy.
Mais les creepy gars, ils m'offrent des mars. Alors que le monstre, là, il m'offre pas des mars. J'ai juste flippé. Il arrive. Je suis déstabilisée, je suis déboussolée, je sais plus dans quel sens il fallait que j'aille. Par là, je crois. C'est bientôt là. Putain, je sais pas si je vais dans le bon sens. Je suis coincée. C'est bon. Ah, je suis encore coincée. Ça va. Ok, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Tout droit là. Tout droit. Depuis la baraque, il s'est passé des trucs. Quelle baraque? Ah, c'est que le début. Merde, putain, moi je croyais que je me suis déjà fait banane sur ma sauvegarde. Mais en plus, c'est pas la fin du jeu. Alors le problème, c'est qu'il va me poursuivre là. Et qu'il n'y a pas de cachette là-bas. Ça va. Ah, le début de la... Non, il s'en est passé du temps quand même. Bonne soirée, Z-Like. Merci d'être passé. Casse-toi. Plus vite. Ah, c'est là le tableau. Allez. Pour donner un gamin, c'est chef, mesdames.
Mais à la base, il était dans une maison et il est passé par des espèces de passages, tout ça. Bon, cette partie, elle est finie. On arrive bientôt. Dans un instant, on arrive à l'endroit où j'avais terminé la dernière fois. Ce qui va me faire flipper, par contre, c'est d'avancer et de pas pouvoir sauvegarder, vu que ça n'a pas fonctionné. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà, on arrive à la bibliothèque. La bibliothèque. Normalement, dès le début, je peux passer là-dessous, là. Le problème, c'est qu'après, je peux plus. Sinon, ce serait too easy. Il est là. Donc, à partir de là, je ne sais pas. À partir de là, je n'ai pas. La dernière fois, j'étais sortie par la gauche là, et à gauche il y a un cul-de-sac. Le problème, c'est qu'il y avait. Putain, je me sens pas à l'abri. Finger is a nose. Place une grande salle de bain, la cuisine, un truc qui dégoule les bébés. On sait pas si le zigouille. Juste il l'attrape. Putain, il est là. À droite. Putain, il est juste à côté. C'est même pas la peine de sortir. Salut, Yonos. Il est à droite, c'est certain. Sur plein d'argent sur le tapis. Là-bas, je peux pas passer, bordel. Je crois que je l'ai vu. Voyais-tu, m'entends-tu? Ah mais je vais pas rester planqué 30 ans sous ce tabouret là. Ah il est pas là. Eh ça a l'air joli ici. Je suis sûre que ça le serait. C'est certainement s'il n'y avait pas un monstre. Il va me cueillir à la sortie, ça va être vite fait. J'aimerais bien au moins voir ses jambes, tu voyais. Je dois savoir où il est. Je pourrais sortir un radar à la alien. Si là-bas je vais au fond, j'ai encore retrouvé les objets. Est-ce que je peux traverser l'eau? J'habite. Il est où le con? Je suis en train de tourner autour de la bibliothèque. Peut-être qu'il y a comme une merveille. Mais grave, il va attendre que je fasse le tour d'un truc et pouf, il sera là. C'est ouf ça. C'est tellement immature. Putain, je crois qu'en fait il faut que j'aille de l'autre côté. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'escalier ici. À mon avis, il faut que j'aille là-bas en face. Là.
Sauf qu'il est là. Il attend que j'y aille. Bon, allez, c'est pas grave. Putain, je peux pas me cacher ici. C'est bon, je suis cachée. Je suis cachée, je sais pas où je suis. C'est du sang, là, par terre? Non, hein. Il est pas là. Peut-être là. Non. Peut-être ici. J'ai l'impression qu'il faut que j'aille à l'étage. Salut, Air Docteur. Air Docteur. J'ai quand même l'impression qu'il va falloir que je meure une ou deux fois. Mais c'est vrai, je dois aller. Je me cache sous absolument tout, quoi. Ah, putain! Il est juste là, je suis sous un tabouret, les gars. Vous savez comme on dit, hein, il est passé par ici, il repassera par là. Hein. Je l'ai vu aller à droite et évidemment c'est là où je vais aller. C'est la sortie là-bas, non? En tout cas, ça a fait de la luminosité comme une sortie. Je le sens bien. Je le sens bien. Ah oui. Oui, ça sent la sortie. Je le sens bien, je le sens bien, je le sens bien. C'est pas une sortie. Ok. J'allais gagner une porte là-bas. Allez. C'est à moi. Putain, va sous le lit. Ce lit, il est là pour une raison. Ah, j'ai bien fait. Si j'y étais allée direct, je serais mort. Si j'y étais allée direct, je serais mort. Allez, casse-toi. Là, non, j'ai pas réussi à ouvrir. The next memory. Yes. Ah, laissez-moi rentrer dans cette bulle. Merci. They had not dug far before it started to rain. Quickly, climb out, or there'll be trouble again.
See, the little bunny is climbing out of the hole. Oh putain, la délivrance, quoi. Combien de temps avait duré le film? I'm so glad we made it back. Putain, moi aussi, mon ours, t'inquiète pas. I feared something would happen to us. Mais si, c'est la fin, parce qu'il me manquait qu'un seul objet. I've never seen anything like it. Ouais, bah moi non plus, il m'a fait flipper. A child shouldn't have to go through this. Le gamin, à mon avis, ça devient pas psychopathe plus tard, je sais pas quoi. Il y a un problème quelque part, quoi. It's going to be so nice when we're through with all. Puis le Teddy. Non, justement, moi aussi, je croyais, mais le Teddy, c'est un gars bien. Merde, il reste encore un niveau, en fait. C'est ça. Good. Another one down. Tellement bien. Mais non, en fait, il reste un niveau. Very close to her. I can feel it. Oh, she must be so worried about you. J'étais tellement persuadée qu'en fait, c'était le dernier. Allez, Teddy, ouvre la porte. Are you okay? I'm here. If you need a problem. Ah, viens là pour moi. I guess we have no other choice. Should we see where it takes us next? I'm ready when you are. Bon, c'est quoi le monde d'après? Oh, ça peut pas faire plus flipper que ce con d'arbre là. Ah, je lis les yeux. Mais non, il est gentil. C'est Teddy. C'est un gentil nounours. Faut que je fasse gaffe à l'heure, moi. Ces chargements de l'enfer. Moi, vous vous souviendrez, j'ai dit que ça pouvait pas être pire. Ça pouvait pas être pire. Ça pouvait pas être pire que ce que je venais de faire. Quelque chose qui tape là. Qu'est-ce que c'est? Un tiroir? Je sais pas. Ça, c'est un trou Teddy? Tu fais chier, genre rien. Ok. Je vais fermer derrière moi. Et donc cette tatanerie, merci. Merci, messieurs. Putain, je le sens pas. Je suppose qu'il va falloir que je libère ce truc, quoi. Qu'est-ce que... Bah, c'est des moutons, tranquille. C'est des petits moutons. Qu'à flipper un truc pareil, quoi. Flipper des moutons. Des moutons, quoi. Merde. Vas-y par-dessus. Oui. Bannez ces lampes là. Oh!
Mais tout va bien. Des moutons démoniaques. Au moins, ouais. Putain, je peux jouer au ballon. Je vois un peu que d'elle, là, les gars. J'ai pas l'impression que c'était dessus qui fait... Dessous qui fait... Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Allez. Easy. On n'arrive pas dans la maison un peu? J'ai l'impression. Il est con. Truc qui crie pas depuis le début du jeu et tout d'un coup il pousse un cri quoi. Je vais prendre cette porte plutôt. Peut-être fait tout. De toute façon il peut pas y avoir un monstre dans un truc de cette taille là. C'est bête, les genoux fatigués. Je me sens bien quand c'est à l'étroit. Je me sens mieux. Ah, mais je suis dans le placard du début en fait. Non. Si, c'est le placard du début. Opération, je me répète un genou. Sauvegarde un coup. Si vous tenez un objet, non, pour le jeter. Ah, faut que je mette un panier. Ok. Eh ben ça, c'est ludique. Ah, faut que je laisse tomber la lampe. Pause détente. Merde. Incendie. De quoi? Je me sens. Oh merde! Non. Ah voilà. Il n'est pas content! Well, 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 qu'est-ce que c'était? Et puis celui-là, faut le balancer là, c'est ça? Il y a un trou. S'il y a un trou, c'est qu'il faut mettre quelque chose dedans. On est d'accord. Aucun trou n'a pas d'utilité. Là, c'est pas rentré. J'ai l'impression qu'il n'aime pas le bruit possible. Je vais jamais réussir à la rentrer. Genre je... Ah mais... C'est pas
une balle qu'il faut mettre dedans, c'est un truc en forme de lune. Un truc en forme de lune. Est-ce que j'ai ça dans le coin? Ah bah oui, c'est ça. La meuf. Ah putain, je vais devoir faire toutes les formes. J'ai dit, il n'a pas l'air d'y avoir quelqu'un ici, mais j'ai rien dit. On peut pas se cacher dans un tiroir. Mais c'est un jeu éducatif pour petits. Il y avait plein de trucs comme ça dès le début du jeu. Putain, putain, mais rentre là-dedans. Est-ce que je peux me cacher derrière un ballon? Je suis pas sûre que ce soit une bonne cachette. Mais c'est des bruits de ouf quand ils montent sur un tiroir là. Je suis une fougère. Vous ne me voyez pas. Ah, ah mais non, c'est encore un truc de mouton à la con. Sauf que c'est censé passer là. Je comprends pas. Pourquoi ça rentre pas dans le trou? Et d'accord que c'est censé s'enfoncer direct dedans là. Je sais pas pourquoi ça ressort pas derrière. Y a rien à tirer. Quoi que dalle. Monter là-haut, non? Non, pas du tout. Ah si, c'est fermé de l'autre côté. Non, c'est pas trop gros, c'est juste... Bon, à mon avis, je vais pas rentrer là-dedans. C'est juste que c'est fermé de l'autre côté en fait. Ah mais il y avait un chemin ici. Faut que j'aille débloquer le trou en fait. Pour que le tiroir puisse rentrer direct dedans. Et faire un chemin. Is it stuck again? Voilà, normalement ça passe. Oh Ginette, tu vas pas me la faire à l'envers, hein? Ah voilà. Putain, je sais pas d'où ça venait, mais ça venait. Je me sens en sécurité quand je suis sur ces passages. Je sais pas pourquoi. Ah. Où ça? Où, quand, comment? Thank you.
Ça, c'est une pièce rassurante. Bon, il y a une trappe qui donne pas envie. Je la ferme déjà. Je me sentirai mieux quand elle sera fermée. Et je me sentirais encore mieux si je pouvais mettre quelque chose dessus. Genre une caisse, un truc, tout ça. Voilà. Quelle heure il est ? Ah mais merde, l'étoile est là, il va falloir que je revienne en arrière après. C'est sous un four. Voilà. Alors, à toi, s'il te plaît. Ah, je peux me cacher dans le four, non? Sans l'allumer, évidemment. Ne reproduisez pas ce que vous voyez sur le stream chez vous. Bébé au milieu. Ah, mais faut que je balance une pomme. Venez là, bande de pommes. Oh la connasse. J'ai défoncé toutes les pommes en plus, moi. Mais merde. Les pommes de Layers of Fear, ouais. Mais il y a tout qui s'est ouvert. Elle est où mon étoile? Manger des pommes qui disait ça. Oh non, c'est plus... Qu'est-ce qui me touche le pied? Putain, peluche. Elle était bien la pièce tout à l'heure. Ok. Déconner, il y a marqué Tinder dans la description. Comment ça se passe? Je peux pas me dire en plus. Attendez deux secondes. Si, tu peux pêcher, il y a un beau truc avec des pieds en bois. Il est con. Ah, il rigole, ça va alors. Ça va alors si tu rigoles. Je vais foutre mon étoile là-bas là. Mais je le sens pas. Salut Tavernac.
Ça va, John, merci d'être passé, des bisous. Et ben voilà, c'est fini. What's this? You don't know what an elephant is? I'm the largest. Qu'est-ce qu'il faut choper? Cette fois. Faut choper l'éléphant? Comment je chope l'éléphant? Allez hop, viens là. We got the final memory. Let's hurry. Oui, mais maintenant faut faire tout le chemin en sens inverse, non? Ou si, il me semble bien ça. Je suppose que c'était trop beau pour être vrai que ce soit le chemin, c'est ça? On peut pas faire le chemin en sens inverse en fait. Ouais, il y a des drops, je suis. Enfin, il y a de fortes chances qu'il y ait des drops, je suis chez mon papa. Et du coup, sa connexion elle est pas super optique. Elle est où la sortie? Ça va? Allô, quoi? Ça a bugué? Ça se trouve, ça a bugué à cause de moi. Alors attendez. Je vais essayer de voir. Vous m'entendez toujours? Cela n'a pas coupé. C'est pas le chemin. Merde alors. Putain, je peux me cacher dans une boîte. Comment on sort d'ici? Ah, peut-être qu'il faut que j'amène cette boîte avec moi. Autant pour moi. Là-bas, putain, Caro, t'as même pas vu la porte. Ok. Vas-y, grimpe, grimpe, grimpe. Non, il veut pas. Ok. Maman. Cours pour ta vie! Ce chemin là c'est foutu. Putain, non, la banane. Mais où qu'on va alors? Vas-y, une autre porte.
Moi, j'ai eu un faux espoir, je suis vieille. Faut monter plus haut, là. Moi, je dis, suivez un médecin, c'est vachement rassurant, quand même. C'est pas du sang, c'est des espèces de traînées d'ectoplasmes. Il y a quelque chose qui rigole là. Putain, c'est où le chemin? C'est pas là-haut, non? C'est pas là-haut, non? Je sais pas, mais si quelqu'un a une idée, je suis pas contre. Je me suis pas fait peur toute seule, il y a eu quelque chose. Faut pas que j'aille dans le nuage noir. Ça n'a aucune logique. Ça se voit que je vais mourir. Ne lâche pas. Sprouch ou pas? Allô? Oh mon dieu, c'est pas fini. Oh, bras de Teddy! Ah! Ah! Salut Mikangoku! Teddy est en PLS, ouais. Not now. Quoi, not now? Ah! Nerf flippé. Non, tellement pas, si peu. Pas du tout. Maman! Not now. Putain, maman, s'il te plaît, quoi. Arrête de faire la meuf. Tu aimes, je te fuis, tu aimes, je te suis, tout ça. Elle me rejette. Putain, je crois que j'ai plutôt intérêt à courir. Généralement, suivre la lumière, c'est pas une bonne idée. Bah écoute, je peux faire que ça. J'ai pas très envie de me retourner, alors je préfère avancer. Oh! Oh!
Il y a du sang sur le pyjama, what? Non, je crois pas. Putain, putain! Je suis pas bien dans cet endroit, je suis mal à l'aise. Maman? Salut. Dis-moi un câlin, s'il te plaît, putain. Ça sent le screamer, en fait. If you can embrace and do what mommy says. C'est quoi? Allez, viens, on y va, bébé. Putain, c'est malaisant. None of us want that. C'est malaisant. Ça sent le screamer! Ah putain, qu'est-ce que c'est? Ok. Ok. Malaisant. La mère alcoolique a buté le gosse, je me sens gros comme un camion. Eh ben moi, je sens gros comme un camion que, en fait, ça simule le passage à l'adolescence. Non. Il est beau ce téléphone en plus. Adieu. Crame en enfer. Du coup, on est tout seul maintenant. Il n'y a plus Teddy. Mais c'est la fin du jeu de toute façon. Ça fait une petite musique un peu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mettre le doigt là-dedans? Ah, trop bien! J'ai bien fait de lui arracher le bras, sans lui je pouvais pas ouvrir. Timmy! Ah, Teddy, c'est Teddy. Ben voilà, on peut s'en aller. En fait, c'était pour lui expliquer que, en grandissant, on pouvait pas garder un nounours. Alors, pour exprimer ça, ils ont fait un jeu où l'ours t'aide à traverser tes peurs et à ressentir, à en ressortir seul, sans une présence familière à tes côtés. Car la vie, c'est comme ça, c'est traverser les obstacles seul et toujours remonter la porte. Ouais, bon, allez, bref. Je crois que c'est fini. Wouhou! C'est le bébé de MacGyver. Maman? Bah moi aussi j'ai encore des pluches. Maman, c'est le bordel chez nous un peu, hein. Je trouve. En plus, il y a une bière par terre au calme, que c'est pas une bière, c'est du Jack. C'est la dernière clé. Non. Maman, on va retrouver la mère beurrée dans le canapé. Rien que derrière moi, j'en ai 30 000 des pluches, donc je ne vais rien dire. Maman, oh, le jeu de puzzle, tout ça. Maman, est-ce que tu es en train de faire un gâteau? Oh merde. J'avais raison, elle est beurrée. Alors, maman, la bouteille de vin, c'est dans la poubelle. Vas-y, réveille-toi. Oh. Ah, mais oui, il y a eu une dispute au début du jeu, c'est vrai. Papa? Ah ouais, mais en fait, j'étais mort. Hello, moi. Qu'est-ce que c'est, les histoires? Did you like your gift? What happened to his arm? We'll fix him up. Elle a plu la garde de l'enfance. Elle frappait le bébé et du coup c'était elle qui. Mais on n'a pas d'explication! Bon alors, du coup il faut se faire son explication à soi, c'est ça? Alors moi je dis. Je dis que. Elle buvait et frappait l'enfant. C'est du coup
ce qui était illustré à travers le monstre là, parce que c'était une femme, le monstre avec les pieds de bois là. Et du coup, et ben en fait, il représentait maman qui faisait peur. Et Teddy, c'était pour nous aider à traverser cette épreuve. Et en fait, à la fin, on s'en va et la maman, elle est en train de pleurer parce qu'elle a perdu la garde de l'enfant. Et en fait, le nounours, c'est un cadeau du père. Vous savez, je me souviens au tout début. Le nounours, c'est un cadeau du papa. Donc en fait, le papa, il a récupéré l'enfant. Et la maman, c'est une connasse. On saura pas, je suppose. Il voyait des trucs et les gens après s'être reçu des coups sur la tête. Tu m'étonnes. Non, tu m'étonnes pas. Tu m'étonnes, ouais. Max de gens qu'on t'a fait dessus. J'ai vu qu'il y avait au moins 25 à Aaron. Ah. Est-ce qu'il y a un petit truc à la fin quand même pour nous aiguiller si on dit oui ou non? Oui. Si on avait juste ou pas? Pas du tout. Bon, bah voilà. J'avais dit on finit Among the Sleep. On a fini Among the Sleep avec une interprétation du coup libre de cette expérience plus ou moins effrayante, mes amis. À moins qu'il ait été beurré aussi, c'est possible. Ou alors c'est Yogi Reggie de Far Cry 4 qui s'en sont mêlés. Bon, ben... Among the Sleep, c'est fini et c'était pas trop mal. C'est vrai que j'ai eu quand même quelques surprises et je retiendrai quand même le passage au moins de la première fois dans la forêt comme un passage exceptionnel du jeu tout de même, puisque je me souviens être partie complètement dans l'idée qu'il était impossible de mourir dans ce jeu, que c'était un peu une expérience plus narrative que ludique, en termes purs on va dire, et c'était quand même cool d'avoir cette surprise tout à coup de me faire choper par cette espèce de nounou Slender Woman de la mort dans le chalet. Ben, c'est une espèce de forêt dehors, hein. La fin craque son slip. Mais bon, c'est vrai qu'on a une fin. Bon, après c'est une fin à interprétation libre, donc en soi c'est quand même sympa. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup pouvoir interpréter, mais j'aime aussi beaucoup pouvoir confirmer ou infirmer mes théories. Et ce sera pas le cas manifestement. J'irai voir sur les internets ce que les gens en ont pensé. Je vous laisse vous faire votre interprétation à vous. N'hésitez pas à m'en parler sur Twitter, me dire comment vous avez trouvé Among the Sleep. Est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous pensez que la fin voulait dire, ou même l'expérience en elle-même entière? On se tient au courant pour un prochain stream. Ça sera sûrement de nouveau comme aujourd'hui du furtif, du spontané en mode loose. J'ai le temps maintenant, avec les horaires que je peux pas faire beaucoup mieux. La semaine prochaine je pourrais peut-être en faire un petit peu plus. En tout cas, comme je vous l'avais dit, pas de planning, pas de régularité pendant un petit moment, en attendant que je me réinstalle et que je mette de l'ordre dans ma vie. Sur ce, je vous embrasse, je vous retrouve sur les réseaux sociaux et je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée à tous, merci encore.